Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur Tombi Special Edition sur PS5. Je remercie l'éditeur pour l'envoi du jeu. Il y a une version physique qui sort sur LRG. Sinon, il me semble que c'est 20€. Ça sort aussi sur Switch. Je ne sais pas si ça sort sur Xbox, mais il me semble aussi. Alors, excusez-moi d'avance pour mon nez, c'est une catastrophe. C'est de pire en pire. Plus on avance et plus j'ai des allergies. Donc c'est de pire en pire. Donc c'est un jeu qui était sorti en 1997 sur PS1. Et donc on a cette spéciale édition qui ressort. J'aurais presque pu vous faire un rétro replay. Mais on va se faire juste une petite vidéo. Hein, pour voir vite fait à quoi ça ressemble. Il me semble que ce jeu maintenant en plus sur PS1, il vaut très très cher en occasion, parce qu'il est assez rare. Donc on va juste se faire une petite vidéo, on va regarder à quoi ça ressemble, et on va pas aller très loin, c'est juste une petite vidéo de gameplay tranquille, et donc ensuite on se laissera. J'ai du mal. Ok, on avait un menu. Donc on a une touche pour attaquer. Hop là, voilà. J'essaie de me souvenir comment ça marche. Hein. Parce que c'est un jeu auquel j'ai joué à l'époque. Hein. Mais bon. Fallait que je revoie un petit peu comment ça marche. Est-ce que je me souviens plus trop? Donc vous voyez, ils ont rien fait, hein. C'est vraiment spécial édition, en gros, c'est LRG qui a décidé de rééditer le jeu, quoi. Y a pas de nouveauté, c'est vraiment le jeu tel qu'il était à l'époque, hein. Mais bon, ça peut permettre d'y rejouer à un prix décent, on va dire, parce que vu le tarif... du jeu sur PS1, et puis vous pouvez l'avoir. On peut pas sortir de là, mais comment on fait? Ok, bon, on va retourner par là. Hop. Tiens, toi, le cochon. Ah, on peut monter là. J'avais oublié ces histoires. Le plan fait qu'on a... Ah, l'oiseau, il est en fond, en fait. Il est en arrière-plan. Il faut qu'on trouve un moyen d'enlever ce brouillard, c'est ça? Et comment on va faire ça? Il y a des choses là-haut planquées, mais je sais pas comment on y va. Ah. Voilà comment on va dans l'arrière-plan. On a toujours ces histoires de brouillard. Ok.
Merde. On avait un là, je l'avais oublié. Voilà, on va chasser... Je pense qu'on va chasser le brouillard grâce à ça. Vous voyez, c'était plutôt sympa comme jeu à l'époque. Petit jeu de plateforme assez sympa. Je sais pas si ça a eu un grand succès à l'époque où c'est sorti. En tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, est-ce qu'il faut l'utiliser comme ça? Ouais. Voilà, on va chasser le brouillard grâce à la tornade. J'ai eu peur, j'ai cru que ma caméra enregistrait pas. Vous voyez, ils ont vraiment rien touché, hein, parce que là, c'est hyper pixelisé et tout. C'est pas moi, c'est la vidéo. En fait, là, c'est vraiment... pour retrouver le jeu tel qu'il était à l'époque. Hein. Oui, oui. Oh, bah, puis ça va me renvoyer sur l'eau, t'es. Oh. Faire attention parce qu'en plus ça saute haut. Je sais pas s'il y a quelque chose à faire avec tous ces poussins. Il y a une porte là, on va aller voir. Alors, je sais pas ce qu'on a récupéré. Petit salopard. On vient te chercher, toi. Ok, bon. C'était fait exprès. Ça fait bizarre de rejouer à des jeux comme ça. Mais là, honnêtement, ça se joue encore bien. Hein. Par rapport à certains jeux qui ont vraiment bien vieilli. Là, bon, visuellement, évidemment, c'est... Merde! C'est plus de toute première jeunesse. Mais ça se joue encore bien. Et vous voyez qu'en plus il y a des embranchements dans les niveaux, tout. On peut monter encore. Eh oui. En plus, il y a des embranchements dans les niveaux. Il y a des secrets. Ah. J'ai pas la clé. Salut, Papi Ramucho. Allez, on va se dépêcher. J'ai hâte d'être fin août pour vous faire Star Wars, en tout cas. Puis après, j'ai commencé à regarder le programme de septembre, octobre et tout, là. Thank you.
On va avoir beaucoup de choses à voir. Et là, on est revenu au début. Ça m'a fait retomber directement sous l'autre plante. J'ai pas, il me semble que j'ai pas la clé, ouais. Ouais. Merde. Ah, je l'ai loupé, dommage. Ah bon, on va essayer de monter. J'arrive pas à attraper la branche du haut. Ah, ça se trouve, on peut pas, mais je pense que si. On va essayer quand même. Là, je vais mourir après, mais bon. Ah non, j'arrive pas. Bon bah je suis mort lamentablement. C'est pas grave. Ouais, c'est fou, j'y arrive pas. Même sur la pierre on peut pas y aller là. Ah c'est chelou ça. Oh, on doit bien y avoir moyen de monter. Ah c'est bizarre, j'arrive pas à attraper la branche. Bon écoutez. De toute façon, je pense que vous avez compris le principe du jeu. On va pas faire beaucoup plus long. On va pas faire plus long. Hein. On va s'arrêter là-dessus. J'ai pas grand-chose de plus à vous montrer. Écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.